On va commencer par une frappe latérale extérieure. Voilà. Donc là, je dois avancer. Vous loupez ça, c'est pas la peine de penser au reste. Une fois que je suis là, là j'ai le choix. Je peux venir frapper, par exemple, propre rond, clé, etc. Voire même faire des choses un peu plus simples. Frappe dans la tête. Là, je viens ici. Alors, vous voyez, en fait, il se jette un peu sur le coude, ce qui m'arrange. Je vais envoyer le deuxième et je peux venir désarmer. Ici. Vous voyez, juste à avancer un peu. Je peux venir ici. Celui-là sera très bien. Je peux venir attraper, etc. Et bien sûr, toujours désarmer. Bon, j'ai échappé. Mais mon problème, c'est qu'il va revenir. Donc là, je dois impérativement me trouver ici. Et vous voyez, je frappe, en fait, plie le coude. Juste derrière le coude, là où vous pouvez faire un joli petit choc électrique. Alors jamais côté épaule, parce que si je tiens, voilà, côté, là je ne tiendrai jamais rien. Donc c'est vraiment ici. Un, deux. Et je vous garantis que c'est vraiment une joie à recevoir ce truc-là. Une fois que je suis là, ben, j'ai encore un bras de dispo, super. Si j'ai envie de travailler du bras gauche, je peux, à condition que ce bras reste contrôlé. Donc je reviens ici. Ouf. Clé, par exemple, et on peut revenir. Encore une fois, voilà, je passe et je reviens, d'accord? Par en dessous. Contrôle, par exemple, si j'ai envie. Et on va tout de suite